Nous avons gagné beaucoup sur plusieurs plans. Le premier plan financier, c'est l'économie des devises. Donc on va commencer par 6 millions jusqu'à 28 millions à la fin du projet. Et si on multiplie ça par 15 projets, ça va être dans les 400 millions de dollars qui seront économisés par le trésor public. Ça concerne aussi l'emploi dans cette région de l'Hamadiya, à Borj-Bararij. Le recrutement va suivre, donc nous prévoyons une augmentation de 20% sur l'emploi. Concernant l'exportation aussi, et dans le cadre du partenariat avec le groupe Hyundai, on espère que nous serons partie prenante avec eux dans d'autres pays.